Allez, c'est l'heure de la chronique culture et du coup de cœur d'ailleurs d'Isabelle Laillet qui nous a rejoint. Bonsoir Isabelle. Et bonsoir. Ce soir, votre invité, c'est le jeune Nicolas Motet. Bonsoir. Bonsoir. Le personnage principal de la comédie musicale, on peut dire ça comme ça. Tout Oliver à fait. Oliver Twist, c'est ça. Exactement. Bon, bah, c'est bientôt les fêtes de Noël. Donc je me suis dit, je vais vous parler d'un spectacle qui va faire plaisir à toute la famille, effectivement. Oliver Twist, le musical, qui se joue actuellement à la salle Gavour. Donc, nous avons la chance d'avoir Oliver Twist en personne sur le plateau. Il faut savoir que Nicolas est un jeune comédien, chanteur de 16 ans. Donc, déjà, c'est vraiment impressionnant de se dire Merci. Ça. Alors, juste pour vous mettre le portrait hein, de Oliver Twist, c'est un des plus grands romans de Charles Dickens. Ça se passe au 19e siècle, dans les quartiers très pauvres de Londres. Et Nicolas, qui est Oliver Twist et quelle est sa quête? Alors, Oliver Twist, c'est un orphelin qui un beau jour, va décider de quitter tout ce qu'il a, quitter l'orphelinat. Et sa quête, ça va être de trouver son origine, tout simplement. Alors, pour trouver son origine, il n'y a pas grand-chose comme indice, il a juste un indice. Alors, c'est vrai qu'il a un médaillon qui lui a été laissé par sa mère à sa naissance. Et dessus, c'est écrit Bloomsbury, ainsi qu'une image de sa mère. Et c'est ça qui va le motiver à partir dans le mystère de Londres. Voilà, et à la conquête de ce rêve. Moi, je vous propose de déjà, pour voir un peu l'ambiance du spectacle, de découvrir le tout début du spectacle. On est à l'orphelinat, et vous allez voir, ça se passe pas très très bien pour Oliver Twist et ses amis. Regardez les images. On en voudrait tous un peu plus. Tu en voudrais plus? Et vous aussi, vous en voulez plus? Qu'est-ce que vous en dites, Madame Cornet? Vous pensez qu'ils en méritent plus? Vous trouvez que je leur en donne pas assez? C'est drôle. C'est exactement ce que je me disais, Monsieur Bumble. Mais c'est peut-être pas assez bon, non plus. Hein? C'est ça? C'est pas assez bon! Tu avais 2 jours quand on t'a déposé ici. Ta mère avait déjà passé l'arme à gauche et c'est moi qui t'ai élevé. Qui vous est tous élevés ici? Bon, ça, c'était le méchant Monsieur Bumble. Mais alors, ne vous inquiétez pas, Oliver va vite quitter cet endroit lugubre pour partir justement à la conquête de ce rêve. Et Nicolas, bah justement, vous qui êtes artiste, la notion de rêve, de partir à la conquête de ses rêves, ça vous parle? Alors, Oliver Twist, ça a toujours été un personnage qui m'a beaucoup parlé. Parce que c'est mis dans un autre contexte, je m'y retrouve. C'est ce rêve de donner tout ce qu'on a et de jamais vouloir abandonner. Et c'est vrai qu'Oliver Twist, j'aime bien des fois sur scène me dire que des fois je chante. En tant que Nicolas Motet, juste faire des fois ce petit lien, c'est un petit plaisir des fois. Puis il faut savoir que Nicolas n'a que 16 ans, mais il a déjà 8 années de travail, de technique derrière lui, ce qui est quand même assez bluffant. Vous avez pris des cours ? Oui, des cours. Et puis j'ai eu des expériences sur la scène, sur la télé. Et parmi ces expériences, Nicolas a été dans The Voice Kids en 2014 ouais. Et vous êtes sorti haut la main. Oui, juste avant la finale, ouais. Voilà, en demi-finale, donc il faut le faire. Ouais. Voilà. Une émission qui passe sur TF1. Ah bah, pour oui. Pas les citer. Donc voilà, Nicolas, comme Oliver, nous montre quand on croit à ses rêves, ben, tout est possible. Et ben, Oliver le chante merveilleusement bien. Regardez. Écoutez. Qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut faire.
Très joli. Un bel aise, hein, franchement. Merci. Alors évidemment, Oliver Twist n'est pas tout seul dans cette histoire. Hein. Sur sa route, il va croiser une série de personnages hauts en couleur. Il y a par exemple Dickens. Dickens, oui. Alors Dickens, ça va être un personnage qu'il va rencontrer dans les rues de Londres. Et ils vont devenir très rapidement amis. Mm-hmm. Et c'est un personnage très sympathique. D'accord. Ensuite, il y aura Nancy. Nancy. Alors, Nancy, c'est celle qui fait un peu... qui figure de mère pour Oliver Twist. Mm-hmm. Et c'est une relation très forte qui va se créer tout au long de l'histoire. Il faut dire que Nancy est interprétée par Prisca Desmarais. Exactement. Qui est une artiste fabuleuse, qu'on avait vue dans Cats la saison passée à Mogador. Voilà, donc t'es entourée, enfin, vous êtes entourée de gens incroyables. Ça met la pression, hein, de... ouais, de on apprend beaucoup quand on est entouré de professionnels comme ça. Donc, autre personnage, de Fagin. Fagin. Alors, Fagin, c'est un peu le père de tous les voleurs. Et qui, son c'est unique but, c'est de s'enrichir. Alors non, là, c'est le suivant, c'est justement Saxe. C'est le méchant. Saxe, c'est le méchant. Donc, c'est celui qui va décider de faire d'Oliver un voleur. Mm-hmm. Et bien entendu, Oliver Twist ne va pas vouloir. D'accord, je vous propose de regarder justement le malicieux Fagin et le méchant Saxe en extrait. Vous avez beaucoup de foulards. Ah. Et c'est reparti pour un tour. Oh, oui. Ils sont jolis. Et plein de couleurs, hein. Tu l'aimes? Oh, tiens, prends-en un. Pour moi? Ah, oui, vas-y. Allez, mets-le dans ta poche. Allez, comme un gentleman. Ah, vous devez en connaître beaucoup, des gentlemen. Oh, oui. Et puis, des demoiselles, et des femmes très riches, et aussi des vieillards. Allez, maintenant, regarde dans ta poche. Mais comment? J'ai rien vu. C'est tout un art. Un jeu. Les enfants, vous voulez montrer à Oliver comment on joue? Allez, va. J'ai besoin d'un gosse comme toi qui passera ici et là sans ça. J'y arriverai pas. Tu vas venir jouer avec moi bien plus vite que tu le crois. Je te laisserai pas le choix, mon petit gars. Tu passes, mon bête. Tu passes par la fête. Ça va être fasto. Vous l'avez vu dans cette création originale française, il faut le souligner, une profusion de costumes, de décors, de maquillage, de lumière, des projections fabuleuses. 15 chanteurs, comédiens sur scène, 6 musiciens live, donc c'est vraiment fantastique. Une mise en scène de Ladislas Chola qui est vraiment précise, fine. Et Ladislas Chola, il avait eu 2 Molières pour ses mises en scène, donc c'est balèze. Et justement, bah, on en parlait, comment c'est quand on est un jeune artiste et qu'on est à côté de grands professionnels comme ça? Alors, on est motivé, évidemment, ouais. Parce qu'on sait que tous les gens autour de nous ont beaucoup d'expérience et savent ce que c'est le métier. Et j'ai beaucoup appris avec Prisca Desmarais, ouais. David Alexis, et je peux en citer beaucoup d'autres dans la troupe. J'ai beaucoup appris en étant entouré de personnes comme ça, et c'est une troupe génial. Très chaleureuse. Merci infiniment, Oliver Twist, le musical. Donc c'est à voir en famille pour les fêtes de Noël, évidemment. Merci à tous les deux. Merci Nicolas Mottet, merci à vous, Isabelle Layet, pour cette chronique culture.